parce que l'ancienne forme de papier qu'on disait qui était antique marche encore mieux que le fameux computer. Alors, ils sont après se rattraper à notre forme de papier. Avez-vous la résolution sur papier actuellement? Personne là. Mais Marie, c'est peut-être la livre. Ouais. De toute façon, absolument, il faut que vous fermiez le tout avant. Qu'il soit résolu que la session à huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Second plan, monsieur. Tout le monde en aval. Si. Quoi, hein? Non. C'est ça. Je ne sais pas. Ok. Tu l'as. Tout de suite. Oui, je vous dirais ça. Je suis désolée. Je pensais que c'était accessible. Okay, on a, concernant l'embauche d'une directrice de développement économique, service corporatif. Et puis, on fait-tu les deux en même temps pour le comité de taxes et le comité de taxes, une nouvelle position qui a été faite, parce qu'on a une dame éventuellement qui va se retirer, puis on va avoir quelqu'un qui va savoir connaître le service. Alors, M. Grimard, vous j'ai pas la 1.3 sur le maire. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Diane Charlebois, à titre de directrice des services corporatifs à temps plein, effectif en date du 29 mars 2016, et qu'il soit également résolu que le salaire de Mme Diane Charlebois soit établi au niveau 2 de la classe 7 de l'échelle salariale des employés non syndiqués, tel que recommandé. Est-ce qu'on ajoute aussi Mme Élise Poirier pour le titre de commis, tout en même temps? Secondé, M. Zan. Tout le monde en faveur. Merci. On continue à Mme Élise Poirier. Je vais juste Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Élise Poirier à titre de commis aux taxes à temps plein, effectif le 29 mars 2016, et que ceci soit sujet à une période probatoire de 6 mois. Et qu'il soit également résolu que le salaire de Mme Élise Poirier soit établi au niveau 3 de la classe 6 de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués, tel que recommandé. Secondé. M. Lalonde. Tout le monde en faveur. Merci. Monsieur le maire. Oui. Pouvez-vous juste me rappeler le proposant, s'il vous plaît? M. Grimard. OK. Des annonces. Quelqu'un a des annonces. Monsieur le maire, je vais juste mentionner que lors de la réunion de Good Road à Toronto, il y a une annonce très importante qui a été faite, c'est que tous les propriétaires de résidences, de propriétés résidentielles, vont recevoir la nouvelle évaluation le 11 avril. Avril, c'est mis à la poste pour 640 000 résidents dans la zone 6. On est les premiers à les avoir. Et puis, ça convoque seulement que le résidentiel, ceux qui ont un commerce dans une partie du résidentiel, les autres ne sont pas dans le groupe. Donc, le 11 avril prochain, tous les nouveaux assessments pour les prochains 4 ans vont être mis à la poste. Semblable à ce qui est arrivé pour les 4 ans passés. C'est ça. Ça, c'est de 2017 à 2020. Autre annonce? Moi, j'avais seulement qu'à dire que vendredi soir, on a été invité à un souper avec le ministre coréen. Puis, ça a été très intéressant. Le repas aussi. Puis, il y a eu des discussions qu'on ait une ville coréenne jumelée à Clarence Rockville, amenée par le ministre, qui semble très intéressant. Alors, c'est quelque chose qu'on va emmener de l'avant. On l'a même invité à venir à une cabane à sucre parce qu'il n'a jamais vu ça. Ça fait seulement qu'un an qu'il est au Canada, alors on est supposé de l'amener à ça. Et puis, je voudrais mentionner que samedi soir, il y avait un souper noir et blanc des Chevaliers de Colomb à Rockville. C'était une très belle soirée. Et même le jeu qui a été joué durant la soirée était intéressant. M. Grimard, M. Lalonde et M. Levert étaient là avec moi. Et c'était une belle soirée.
Maintenant, période de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro, poser votre question, donner votre nom et votre adresse. Lancez-vous pas tous en même temps. Questions, commentaires? Oui, commentaires aussi, s'il y a quelque chose. C'est l'heure de le faire. Si vous avez quelque chose à dire, si vous avez des questions à demander, c'est l'heure de le faire. Vous êtes bienvenus. On va pas, vous savez, on est bien gentil. Mais oui, juste là. Je suis pour vous poser. Bonjour à toi, je demande sur le site de Saint-Félix, à Chine. Je voudrais juste essayer de comprendre comment est-ce que vous décidez déterminer, mettons, pour refaire un chemin en asphalte ou du compteur ou refaire un chemin en question. Donc, c'est d'essayer de comprendre comment vous déterminez quel chemin vous allez choisir. Jusqu'à cette année, c'était des conseillers qui amènent un rapport ou une demande pour faire certains chemins. Dans mon coin, ben, on avait commencé Duquette qui allait de Roseau à Pillon. L'année passée, on a fait de Pillon à Chemin du Lac et en espérant que l'année prochaine, qu'ils fassent du Lac à Relais. De ce moment-là, on a une ligne courante pour, avec le resurfacing. On s'en vient avec un programme de 10 ans pour tous les chemins qui vient d'être établi par M. Dern. C'est le procédé qui va être employé à partir de l'année prochaine. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire Saint-Félix, on garde la Cantesse, ou avez-vous bonne idée? When we will be doing Saint-Félix, is it on the... I know we're grinding part of it, or suggesting to grind it? In despair, there's a report on tonight's committee of the whole that's recommending that committee adopt a procedure that would see a portion of St. Felix and LaBelle taken from a hard surface roadway to a gravel as an interim measure, because the condition of the hard surface portion of these roads is really bad, spending a lot of money in terms of patching and that, and it just doesn't last. So feeling of staff is that it'd be better to convert to gravel for the time being. We won't do that until we've actually conducted a survey of the wedding residents. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que la partie Saint-Félix, on part de Drouin en montant vers l'est. Toute la partie asphaltée présentement, qui est de mauvaise condition, oui. Mauvaise condition, va être blindée puis laissée en gravelle. Oui. C'est ça. Faut aussi comprendre qu'avant de faire ça, on va quand même consulter les résidents de Saint-Félix. Ça nous prend au moins le deux tiers des résidents qui sont en faveur à ce qu'on remette la surface dure à de la surface gravier. Et puis, je sympathise avec vous, je suis allé sur le chemin et mon directeur d'infrastructure est allé lui aussi. Si tu n'as pas des galoches pour sortir de ton char de ce temps-là sur le chemin Saint-Félix, tes souliers, tu vas être obligé de les laver ou de les jeter, un des deux. Je sympathise avec vous. Nous sommes, comme M. le maire a dit, nous sommes en train de planifier un programme sur une échelle dans les 10 années où on va situer dans nos quartiers les chemins qui ont besoin de plus d'attention. Présentement, on n'a pas de date dans les 10 ans. On est en train de finaliser les rapports. Comme c'est là, on n'a aucune... Je ne peux pas vous dire comme l'année prochaine, on va faire un surface treatment sur Saint-Félix. L'an passé, ils ont mis du gravier de Bouvier jusqu'à Champlain. Donc, c'est ça. Oui, ils ont levé le chemin, ils ont mis du gravier. Puis c'est un petit peu là que j'ai de la misère à comprendre, parce qu'il y a à peu près 10 résidents dans ce bout de chemin-là. Mm. Quand tu pars de Bouvier et tu vas jusqu'à Drouin, où est-ce qu'on est sûrement une centaine, ouais. Où est la logique? Là? Comment est-ce qu'on se base? Que... C'est ça que j'essaie de comprendre. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, on tourne un peu autour de la question sans vraiment y répondre. Là. C'est, je pense que la question du résident, it's more for Dave or for Yvon to answer is, you know, what is, how do you determine what road needs what work to be done and in the right order? What are your criteria, specific criteria? That's what he's asking, basically. Well, with the development of the 10-year capital works program,
is going to set up criteria that we're evaluating. We're going to take a look at the traffic conditions, drainage conditions, base stability. Where is it in the community? Is it serving general institutions like schools, hospitals, and the like? There's about eight factors that are going to go into determining the priority. And so we'll feed all of that into our road network. We'll look at available funding, and then that will determine the timing of rehabilitations to your infrastructure. What a road that's been grinded like that from hardcore to gravel again, would it sort of get a priority to be redone in the future? Would be subject, from a staff perspective, that would be something that would be addressed as part of the 10-year capital works program. I guess it becomes a decision of council. We're essentially taking a portion of that road that, I'm being generous when I say hard surface, because it's just a sea of patches. And, I guess it becomes a decision of council if they want to give that a priority when we present the 10-year plan in terms of viewing it as an interim measure. If we convert it to get the gravel, interim measure, and then within a specified period of time to reinstate with some form of hard surface, whether that's surface treatment or asphalt or whatnot. That would become a decision of council. And I would suggest that happen as part of the consideration of the 10-year plan. The reason why the road was raised a lot on between Bouvier and Champlain is because it was sinking a lot and the big trucks were getting stuck there. And so that was the only portion that needed to be done in order to be able to put asphalt on it. All the portion from Bouvier, according to the studies that were done, from Bouvier to the end, and according to the report for the roads as well, it says that it's solid enough, and there's that you just need to add a bit of gravel. But before, you couldn't have done the whole all the ways and connects because the road was really too down, along with the apple. L'affaire est que le prix de resurfacing déjà était à peu près un tiers du prix d'asphalte. L'année passée, pour quelques raisons, il a remonté, il a rapidement coupé certains chemins qu'on faisait à cause que le prix avait remonté, puis ça marche plus dans le budget. Yes, madame. In a perfect world, we would have criteria set out saying that this road is in poor condition and it needs this amount of work. We're working towards having that. So when we prepare our 10-year capital plan to council, those criteria are going to be there. The fitness of the road, sometimes referred to the service level, the fitness of the road has reduced so much that we need to do this kind of work. So we're working to having those in place. So currently right now, it's input from the engineer saying you should do this or should do that. So we haven't set service level standards and we need to do that. Je peux vous assurer que le fédéral est supposé de sortir des octrois. Si on vient qu'à mettre la main sur certains montants d'octrois pour refaire des chemins rurales, c'est certain qu'on va appliquer pour. Mais vous voyez comment de misère qu'on a à faire les 4 lignes 57, que je ne peux pas vous faire des promesses, ça va être fait bientôt. Là, si je viens d'entendre quelque chose qui attire mon attention aussi, tu sais, là, de Bouvier à 138, le chemin a été remonté, le chemin est solide, il est prêt à recevoir du compteur, si on veut. Ça serait beaucoup plus cheap aller le faire là que le faire à Saint-Félix. Oui. Fait que finalement, hey, on va le faire à cette bout de section-là, tu sais, qui devient un petit peu ridicule parce qu'il y a 10 maisons. Puis le trafic, Ottawa, c'est ce bord-là et non par là. Donc, c'est cette partie-là que je pense, si moi j'ai compris avec M. Darch, lorsqu'on va décider de faire le traitement de surface sur Saint-Félix, on attend d'avoir mis le gravier au complet sur Saint-Félix et on va le faire de Champlain à Drouin. C'est ça. D'un coup. C'est ce qui va coûter moins cher. L'affaire est aussi, c'est les conseillers, on essaie d'écouter les conseillers aussi. Il y a tout un plan de 10 ans, mais avec le temps aussi, les conseillers sont ici. Ils vont parler pour leur quartier. Ça, ils vont pas sortir de ça. Puis
Puis il y a des mauvais chemins dans tous les quartiers. Alors, ça ne veut pas dire que c'est juste un quartier qui va avoir des chemins. On va essayer c'est ce qui s'est fait cette année, l'année passée aussi. On a mis assez proportionnel là, au niveau du nombre de kilomètres de chemin qui est fait dans le quartier. Et puis, il y a des chemins, certains, avant qu'ils s'abîment davantage, il faut qu'ils soient réparés. Parce que ça coûte moins cher de réparer maintenant que d'attendre qu'ils soient à un état où il faut traiter. Alors, ce n'est pas nécessairement les pires chemins qui vont être faits. C'est de rentabiliser des dollars qu'on met. Alors, s'il y en a des chemins, c'est juste de mettre du sealers, parce que le chemin a juste 3-4 ans, il commence à absorber de l'eau, et on va mettre de l'argent là. Mais on va faire certains de chemins de gravelle, on va faire certains. Puis l'étude des chemins avait déjà démontré quelles sont les priorités. Dans chacun des quartiers, on sait quels chemins qui sont les pires dans les pires états, puis ceux qui devraient être. Sont séparés en trois catégories, hein, si je me souviens bien. Alors, puis il faut sélectionner un peu dans les trois catégories pour ne pas négliger ceux qui ont juste 5 ans parce qu'ils vont devenir trop abîmés. Alors, maintenir ceux-là pour que ça ne coûte pas trop cher, mais en même temps, aller chercher ceux qui sont aussi vraiment détériorés pour augmenter le. Moi aussi, je connaissais un mauvais chemin, je viendrais voir. Moi, Mme Simard, on est sur le même chemin. Puis, il va vous garantir une chose, m'a arrangé votre chemin avant d'arranger le mien, parce que tout le monde va dégasser le maire et arranger son bout de chemin avant de mettre. Ben, vous êtes vrai. J'espère que vous dites vrai. Mais c'est le chemin du lac, viendrez voir. En fin de compte, c'est que Saint-Félix, on le sait tout, on est à la rue la plus loin de Rockland. On a toujours été un petit peu délaissé. On a le sentiment qu'on. On est servi à les derniers. Au niveau des taxes, on a des bonnes taxes dans notre région. Là, des maisons qui payent les mêmes montants qu'à Rockland. Puis on n'a que les vidanges comme service. Donc, on ne vous a pas oublié, ça, je peux vous garantir ça. On fait de notre mieux là, puis avec l'argent qu'on a. Comme je vous dis, chaque chance qu'on a d'aller chercher un emploi pour faire ça, ces affaires-là. Mais on va vous dire, on était à Good Rose la semaine passée, là, puis c'était pas si good que ça, je peux vous dire ça. Là, parce que, sont serrés avec leur argent, je peux vous garantir. Mais on essaye de toutes les manières qu'on peut. Même sur le chemin, ça a eu l'olier l'été passé. On a essayé d'avoir de l'argent d'urgence pour le sourd qui était plus bon. Et puis on n'a pas eu une scène. Plus prendre l'argent de la ville pour arranger ça. Fait que, il y a tout le temps des surprises qui viennent que tu es obligé d'arranger. Mais ce que je vous dis, je fais votre chemin avant de prendre la ville. Mais aussi avec le plan de 10 ans, ça va être un peu encourageant aussi parce qu'on peut le faire par étapes, un peu comme on a fait Caron. Caron, c'est fait, mais on le fait par étapes, puis éventuellement, ça se fait. Un peu comme Bouvier aussi. Bouvier, c'est fait par étapes, puis tranquillement, pas vite, mais Bouvier va être fait. Alors, on s'en va vers ça. Parce que La Belle puis Saint-Félix, c'est les deux chemins qui sont les pires là, dans le quartier, puis là, je pense dans le quartier de aussi. Merci. Merci, M. Hérault. Autre question? Commentaire? C'est bien. On continue. Même vous avez une motion de. Moi, j'en ai deux. Il faudrait que je sois remplacé. Monsieur Lalonde. Ouais. Non, c'est pas. Excusez. C'est Monsieur Grimard. Ça ne dérange pas du tout. Monsieur Grimard, allez-y. Item 9.1, avis de motion présenté par le maire Guy Desjardins au sujet de la soumission préliminaire du budget 2016. De l'AMO. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire la résolution, s'il vous plaît? Attendu que l'AMO a soumis son budget préliminaire 2016 au Comité permanent des finances et des affaires économiques le 19 janvier 2016, par conséquent, qu'il soit résolu que le Conseil municipal supporte la soumission préliminaire du budget 2016 de l'AMO au Comité permanent des finances et des affaires économiques, notamment en ce qui concerne les éléments suivants. Augmentation du fonds de partenariat avec les municipalités de l'Ontario, FPMO, de 11 millions de dollars en 2017 à être destiné aux municipalités ayant le plus de pression budgétaire et plus particulièrement pour les communautés ayant un haut pourcentage de fermes et de forêts gérées. Arbitrage pour des coûts associés aux services d'urgence. Qu'il soit résolu qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Kathleen Wynne, première ministre de l'Ontario, l'honorable Jeff Leal, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, l'honorable Ted McKinn, ministre des Affaires municipales et de logement, l'honorable Yazir Naqvi, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, et Grant Frack, député de Prescott Russell. Secondaire. Monsieur Mandeville. Madame Simard. M.
monsieur le maire, en fin de compte, c'est d'essayer d'avoir... Avoir plus d'argent, parce que, comme vous savez, ça fait 4 ans que la province, dans ce fonds ici, nous descend de 200 000. On était à 1,6 million 4 ans passés. On est rendu qu'on reçoit 800 000 de la province. Je trouve qu'il faut que ça arrête dans quelque part, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on monte nos taxes et qu'on est obligé de couper en autre raison de trouver des chemins. Je pense que c'est une bonne chose parce que vraiment 11 millions, là, c'est pas tant que ça, mais au moins ce serait un plus à la place d'un. C'est des questions des membres du conseil, des commentaires. Membre en faveur. Merci. Thème 9.2. Un autre avis de motion présenté par le maire, M. Guy Desjardins, au sujet du Fonds des petites collectivités et le Fonds ontarien pour l'infrastructure communautaire. Whereas the province of Ontario recently scored application for two major infrastructure programs, the Small Community Fund, SCF, and the Ontario Community Infrastructure Fund, OCIF, had ranked municipalities based on their economic conditions and fiscal situation. And whereas some of the indicators used to score municipalities actually penalize a municipality as has planned for future infrastructure needs by establishing financial reserves. And whereas municipalities have little ability to alter the circumstances and improve their score or ranking, now therefore be it resolved that the Corporation of the City of Clarence Rockland hereby calls upon Minister Jeff Leal to discontinue the use of current evaluation criteria that penalizes municipalities that plan to maintain their infrastructure and instead distribute all future infrastructure grant to all municipalities utilizing a fair and equitable formula. Secondaire, M. Zan. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? M. André Lalonde. Juste un commentaire d'ordre général, mais on a eu la nouvelle durant la conférence que le fonds OICF, justement, était pour être doublé, donc à partir de 2017. Donc ça aurait pas en partie un peu le raisonnement de la motion, mais juste pour exiger membres du conseil que le 125 000 $ qu'on avait habituellement va être doublé. Donc, 125 millions. Non, notre part à nous, M. Lalonde. Juste un petit commentaire. Merci, M. Lalonde. D'autres questions, commentaires? Passe au vote. Membre en faveur. Merci. Je vous redonne ça, M. le maire. Merci. Au cap de bord, ça. Quand c'est, item. Au cap de bord, ça. Oui. Qu'il soit résolu que les items identifiés sur la rubrique oui, items par consentement. Non. Ouais. On va demander son ensemble. Ah, si on veut. 10C. 10C. Ça, il n'y a pas monsieur Lalonde. 10.3C. Autre item? Alors, c'est la seule qu'on va retirer. OK. Donc, qu'il soit résolu que les items identifiés sous la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 7 mars 2016 soient adoptés. 10.1, adoption du procès verbal de la réunion régulière du 17 février 2016. 10.2, réception des procès verbaux de la réunion suivante à comité consultatif culturel du 26 novembre 2015. 10.3, les items suivants, tels que recommandés par le comité de plénier à pour appuyer le canton de Champlain concernant leur inquiétude au sujet de la coupe intensive des arbres. B, pour autoriser une route de déviation en cas d'urgence, approuvée par le chemin de comté 17. D, pour approuver la dérogation au règlement sur l'affichage demandé par Denis Louis XVI pour le terrain 92-90 chemin du comté 17. Et E, pour accepter une extension jusqu'au 30 juin 2016 pour fin de négociation de l'entente avec le YMCA ou YWCA. Monsieur Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, on revient à 10.3C. La garde de budget. Monsieur Simoneau, vous pouvez aller. Madame Simon, vous voulez le item 10C3? 10.3C, excusez-moi. Oui. Oui, parce que l'autre pas. Attends, du coup, la firme d'ingénieur J.L. Richards a procédé à l'étude structurelle de la gare de Bourget à l'automne 2015 et, attendu que l'étude structurelle identifie les composantes structurelles déficientes du bâtiment devant être corrigées avant de respecter le code du bâtiment selon la vocation anticipée du bâtiment,
et qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise les services communautaires à entreprendre le processus de soumission afin d'engager une firme d'ingénieurs capable de rédiger les plans et devis pour les réparations structurelles nécessaires identifiées dans l'étude structurelle, pardon, telle que recommandée. Monsieur Gondard, Madame Simard, commentaire, question. Mais d'abord, je dois remercier le conseiller Simoneau de nous avoir fourni de l'information additionnelle. Et puis surtout, lorsque notre responsable des services communautaires nous a fait parvenir un courriel dernièrement en disant que l'entente qui finit en 2020 est renouvelable seulement 10 ans au lieu de 20 ans. Et puis là, maintenant, lorsqu'on regarde ces prix-là, les coûts qui ont été mentionnés ont été rendus à 900 000. Et puis encore là, le terrain ne nous appartient pas. Moi, il y a une suggestion qui m'est survenue en fin de semaine. Puis je la trouvais fantastique parce que je l'aime bien, la gare qui est là à Bourgette. Il nous disait, pourquoi qu'on ne regarde pas le coin de Bourgette à l'entrée principale sur le Champlain, si le terrain nous appartient, pour la moue pas là sur notre terrain. J'ai trouvé ça hier. Je ne sais pas le terrain si nous appartient. Parce qu'actuellement, la reconstruire, la fondation, tout ça, c'est tout à refaire. Oui, c'est vrai, les Jail Richards et Plagnat ont fait du beau travail, les deux. Plagnat avait recommandé des travaux d'urgence. Si je me souviens bien, on a remplacé la fournaise puis on a réparé la toiture. C'est ce qui avait été recommandé. Moi, je dis, ce bâtisse-là n'est pas sur notre terrain. On ne sait même pas si ça va être sur notre terrain dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. 900 000 puis moi j'ai évalué le champ d'épuration à 30 000 il y a des chiffres qui ont sorti aujourd'hui, plus proche de 100 000 parce que c'était comme ça devient public commercial. Mais en tout cas, 900 000 moi je dis, elle est belle, là, elle va bien, elle est chauffée, elle est entretenue. Allons chercher, essayer d'avoir des subventions, puis essayer de mettre les chiffres un peu plus proches, tabarouette, juste à regarder. Plagnat avait 21 000 dans son rapport pour faire les réparations de la fondation, puis J.L. Richards dit que c'est 279 000. C'est une différence de 258 000. J'aimerais bien ça de l'avoir dans mes poches, de 258 000, puis encore plus dans les poches de la municipalité. Tabarouette, avant de me lancer dans un projet aveuglement, prenons le temps, là, incorrect, là. Prenons le temps, négocions avec Via Rail, essayons d'avoir quelque chose qu'un jour le terrain va nous appartenir, puis de là on pourra. Mais entre-temps, je ne peux pas concevoir de dépenser d'autres argent là-dessus présentement, M. Le Maire. Moi, je vois l'idée de M. Lalonde, de bon sens, de déménager sur un de nos terrains, dépendant de ce que ça va nous coûter, là, mais. Allez-y, M. Guimard. Ben, peut-être deux volets pour mon co-commentaire. C'est bien beau de déplacer un édifice, mais il faut encore les mettre aux normes d'aujourd'hui. Je ne suis pas un gros mathématicien, mais si j'achète un édifice, puis ça me coûte plus cher la rénover que la démolir et en bâtir un autre, je vais en bâtir une qui va peut-être ressembler, même utiliser des pièces historiques de l'édifice. Mais ça fait pas de sens dans le contexte économique où on est d'investir là-dedans. J'abonde dans le commentaire de mon confrère, M. Simoneau. Maintenant, à un moment donné, comme conseil, je pense qu'on a une responsabilité de mettre une date butoir. Est-ce qu'on va étirer ça pendant 5, 10, 15 ans avant de prendre une décision finale? Je pense qu'à un moment donné, comme conseil, on a une responsabilité de regarder toute la situation. On n'a peut-être pas tous les faits. C'est pour ça que j'abonde dans le fait de regarder comme il faut à qu'est-ce que ça va coûter avant de prendre une décision. Mais il faut, à un moment donné, aller de l'avant ou arrêter. On ne peut pas être en limbo comme ça parce qu'il va y avoir d'autres réparations d'urgence qu'on va avoir besoin de faire. Merci. OK. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la résolution aujourd'hui, c'est pour savoir si, pour faire préparer des plans et des vues, pour qu'on ait une meilleure idée justement de quelles sont les priorités des travaux et puis combien que ça pourrait coûter. Il y a quand même un montant qui est déjà mis comme dans les projets capitaux. Il y a quand même un montant de 220 000 qui est déjà placé pour ça. Et ensuite, on a un autre montant de 230 000 qui avait été placé au budget aussi pour pouvoir. Alors, ça donne quand même un montant de 450 000 pour commencer. Je pense que si on investissait au moins 450 000 pour commencer, réparer au moins la fondation,
et puis rendre l'endroit au moins sécuritaire, puis qu'on sait que c'est stable. Après, l'aménagement extérieur peut se faire beaucoup plus tard. L'aménagement extérieur, on devrait définitivement aller chercher les fonds de Pascal Poisson parce que c'est sur la piste cyclable. Alors, eux vont en bénéficier également. Les gens de Pascal Poisson vont en bénéficier. Alors, je pense qu'on devrait aller chercher de l'appui là. Oui, on peut faire des levées de fonds par la suite. Ça, c'est des choses qui peuvent aller beaucoup plus tard. Mais je pense qu'au moins commencer avec ce qui avait été prévu, au moins le 450 000, c'est quand même 230 000 en moyenne par année qui a été investi. Mais 230 000, un autre 230 000, on avance, on sait un peu plus où on s'en va avec le projet. Je pense que la déplacer, ça enlève toute la valeur de la gare. La gare était là, c'est de l'emplacement est quand même important. Madame, si ça appartient à VIA, VIA pourrait arriver dans deux ans d'ici, mais après qu'on a dépensé 2, 3, 400 000, nous dire, ben, là, c'est fini, là, votre bail est fini. On va avoir dépensé cet argent-là pour aller, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Tu vas acheter à terre. Les autres n'arrangeront pas, ça, c'est sûr et certain. J'ai de la misère à dépenser un montant, même juste 400 000. Mais si on n'a pas un bail plus long. Mais si on les déménageait, il faudrait quand même garder l'intégrité de l'édifice. Parce qu'en réalité, le problème est la fondation. Fait qu'une fois ouais, que. Si on la déménage, on n'a pas besoin de câble. Mais c'est ça. Ben, pour le chauffage, je ne sais pas quel genre de chauffage qu'on va aller. On fait le slab, on la met dessus, on met pas de maille dans l'eau. Dans la gare que l'autre bord, on n'a rien qu'à faire dans un endroit. Changer le système de chauffage. Ben, non, la même fournaise pour les employés. Ça sert juste de détourner le tuyau. Oui. Je ne sais pas si on peut me corriger. Présentement, l'intégrité de l'édifice est correcte, est solide, a pourri plus. On a un bon toit, on a du chauffage. Pourquoi pas attendre jusqu'à 2020? Ça va donner la chance aussi au comité de peut-être. Aller d'avance, eux autres aussi fournir un peu, essayer d'avoir des subventions, faire des levées de fonds, essayer d'éduquer les gens à ce que pour le patrimoine de la gare, de le garder chez nous. Je sais pas, 2020, on va peut-être avoir un meilleur portrait de. Madame Leroux, avant vous faisiez une attaque de cœur en arrière, venez donc vous placer j'ai au micro. J'écoute. Je peux vous adresser? Oui. Parce que j'ai juste 3 minutes. Oui. comme vous savez, je tiens à l'air. Mais comme je vous ai dit, j'ai un côté ici et un côté là. Je comprends la notion que c'est beaucoup d'argent. Je comprends ça. Je ne voudrais pas la dépenser inutilement. Monsieur Lalonde, la déplacer, la déplacerait où? Du coin, comme j'ai dit, si le coin nous appartient, ce qui sont les drapeaux. Quel coin? Les vies chantées. Ce qui sont les drapeaux. Dès que vous avez l'entrée, qu'on t'attraque. Ça ne vous appartient pas. Bon. Je ne sais pas. J'ai dit si ça nous appartient. Je te dis, où sont les drapeaux présentement? Appartient à VIA. Nous autres, on les a installés là avec l'approbation de VIA. Et puis, on ne parle pas d'une grosse somme non plus, non? On s'entend. Mais où ce qui est là, ça, c'est tout à l'emprise de VIA. Toute cette section-là. Ouais. Ce serait une question de trouver une place, maintenant, pour qu'on pourrait la déménager, si on veut la déménager. Oui, c'est ça. C'est juste une suggestion. Avec une bonne visibilité aussi. Oui. Non, je comprends votre dilemme. La laisser là jusqu'à l'an 2020, c'est vraiment pas une option pour moi, parce qu'elle va se détériorer. S'il n'y a pas rien qui se passe là-dedans, là, s'il n'y a pas un bâtiment qui est resté vide, même s'il est chauffé, puis qu'il y a une toiture dessus, là, elle va se détériorer à l'intérieur. Ça, c'est certain. Il va y avoir du vandalisme, il va y avoir 56 000 affaires qui vont arriver. On est bien proche de là, là physiquement. On surveille. Moi, j'y vais à tous les deux jours pour faire certain que le chauffage fonctionne puis que tout est correct à l'intérieur. Mais attendre jusqu'à 2020 pour prendre une décision, je ne suis pas trop convaincue que ça va se passer. Parce que dans 2020, peut-être que tout ce gang-là, vous ne serez pas là. Je te garantis ça. Fait que, non, je comprends. Puis, je m'attendais à autre chose ce soir. Et puis, il y en a d'entre vous qui ne m'avaient pas déçu du tout. Puis, je suis contente de ça. Parce que je vous avais dit, je vous avais regardé fonctionner l'autre soir. Hein? Et je vous ai tout causé. Mais, je trouve qu'attendre jusqu'en 2020, c'est vraiment pas une option. Parce qu'il faut faire quelque chose avec la bâtisse. Ça vous appartient maintenant, la bâtisse? Il faut faire quelque chose avec.
Monsieur Levert, je veux. Là aussi, Madame Leroux, oui. Oui. Je vous connais, Madame Leroux. Non, je sais, je pensais que tu étais Jocelyne, c'est pour ça. Non. Madame Leroux, moi aussi, le patrimoine, j'y tiens. C'est sûr. C'est pour ça que c'est moi qui suggère comme raison qu'on attend en 2020. Je trouve ça difficile d'aller octroyer des sommes énormes quand on a des gens qui sont venus ce soir, comme du chemin Saint-Félix, où ils sont dans le bout depuis plusieurs années, aller dépenser des sommes énormes qui est prévu, qui est probablement même pas les bons chiffres, qui vont être au-delà de ce qui est... Mais même à ça, je suppose que tu prends 900 000. Je ne vois pas 900 000. C'est bien facile. C'est bien facile. En tout cas. C'est pour ça que avancer des sommes pour un édifice qui nous appartient, mais dont le terrain ne nous appartient pas, où on ne sait pas où on s'en va avec dans... 2020, c'est pas si loin que ça. Non, je sais, mais même pour aller chercher un octroi, il faut avoir le soutien de la municipalité. Fait que moi, je peux faire des démarches incroyables pour aller chercher des octrois, pour aller chercher des subventions. Mais des levées de fonds, ça ne prend pas le... C'est OK, c'est pas la même chose, là. Non, c'est ce que j'ai dit, des levées de fonds ou des subventions. Oui, des subventions, tu ne peux pas si tu n'as pas l'appui de... Disons que d'ici à 2020, on va chercher, on fait une levée de fonds, chaque année une bonne levée de fonds, on va chercher, je ne sais pas, 100, 150 000 piastres, bien, ça sera ça de fait, au moins un grand pas, un pas géant, je dois dire. Oui, mais pas, ce qu'elle dit, c'est que pour être capable d'appliquer pour des subventions, parce que c'est quand même 4 ans de subventions. Oui, j'ai tout compris. L'affaire est, c'est que moi, j'ai pas de problème si la ville arrive à investir 20, 25 000 piastres, comme Plénia avait dit, pour arranger la fondation. Je ne dis pas d'aller jusqu'à 20-20, mais qu'on regarde comme c'est là, ils sont capables d'arranger pour 20 000 piastres, comme Plénia avait dit. Ben, je ne vois pas pourquoi on serait obligé de tout changer. Ces ingénieurs-là, des fois, ils poussent l'affaire un peu loin. Je ne nommerai pas de nom. Ah, parce qu'il y en a assis, ça. Mais l'affaire est, c'est qu'on peut le regarder encore. On n'a pas décidé. Monsieur Zan. Madame Leroux, comme on discutait. Moi, je suis de l'avis qu'on pourrait peut-être attendre une autre année, donner le temps d'aller, même donner le temps à la ville d'aller chercher des octrois. Le fait que la bâtisse nous appartient, mais pas sur un terrain qui nous appartient. Écoute, VIA, là, ils ont déjà fait leur traque. Il ne repensera pas au travers de Bourgette là, dans les prochains 50 ans, ça c'est sûr. C'est pas, I'm not saying anything bad about Bourgette, I'm just saying, s'ils vont mettre une traque, ça ne sera pas au travers d'un vieux chantier. Qu'il y a une raison pourquoi ils ont enlevé les chemins de fer. Ouais, mais il y a une raison pourquoi ils gardent le terrain. Oui. Ils gardent le terrain parce que ce terrain, ça vaut de l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec, on ne sait pas. Quand même, je ne pense pas qu'une corporation courante, c'est ça, rentrerait dans une communauté et disait bon, ben, on enlève tout, puis toi, tu n'as rien, puis je m'en fous de ce que tu as investi. Il y a quand même un côté responsable gouvernemental qui se passerait si on arriverait à ce point-là. Moi, je dis, on attend une autre année, on donne le temps à aller chercher des octrois, puis on revisite ça au prochain printemps. M'imagine ces discussions, on n'attendra pas au 1er juin 2020 pour faire des discussions de bail avec VIA. On peut être en 2019, on peut être en 2018 en train de discuter. Alors, moi, ma recommandation, c'est... C'est quoi votre recommandation? Excusez, M. Simoneau? C'est on attend. OK. Moi, j'ai la misère à comprendre. Il me semble que la ville, on est quand même impliqué. On avait mis de l'argent au budget. Ben oui, on est impliqué. C'est 450 000 qui est mis le budget. Oh, sur les budgets, ça change. Ah, pas ouais. Grave. Mais ça veut dire que même si on met 20 000, on est d'accord avec le projet? Mais comme c'est là, on quand est d'accord, qu'on attendre. On l'a acheté. Que c'est certain qu'on est d'accord. C'est ça que je veux dire. On l'a eu pour une pièce. On l'a eu pour une pièce. C'est un cadeau. Some of the money, was it coming from development charges? $225,000. For the money that we have in the capital budget? Yeah. Or, I'd have to check. 225,000 qui vient des DC. 225,000. C'est parce qu'on a de l'argent aux redevances d'exploitation. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de la dépenser. Absolument pas. Puis on ne l'a pas présentement. Elle s'accumule dans le compte. Voulez-vous qu'on mette ça, on le retire, on la ramène plus tard pour en discuter? Parce que comme c'est là, on va l'avoir plus tard. Moi, c'est le bail qui m'inquiète.
Moi, c'est le fait qu'on n'appartient pas au terrain et qu'on n'a pas un commitment à long terme. Mais si avec... on fait des réparages en partie en haut, puis mettons qu'on vient obligé de la déménager, au moins l'argent qui sera mis en haut pour l'arranger, ça sera pas perdu. Il n'y a pas personne qui dit qu'on doit faire des réparations. Tania a évalué les réparations. Ils ont été faites. On peut continuer présentement. Là, on peut continuer comme elle est là. On n'est pas obligé de dépenser d'autres argent. Ça me donne de l'avoir là à les faire. Ça me donne le temps d'aller chercher des octrois, monsieur. Oui. Moi, mon inquiétude, c'est que là, on a des citoyens qui sont motivés. Ils sont motivés, ils veulent partir. Rien qui se passe pendant 3-4 ans à la gare, qu'il n'y a pas un cheminement, que le comité ne peut rien avancer. C'est difficile de convaincre des gens de donner de l'argent pour quelque chose qui n'est pas tangible. Alors, c'est pour, un peu pour ça que je me dis, si c'est seulement la partie qui n'est pas chauffée, là, où c'est vraiment là que la fondation doit être faite. Si ça, on peut dire OK, ou on ne veut pas dépenser tout de suite cette année 279 000, on met ça de côté, mais il n'y a rien qui empêcherait d'au moins finir la balance. Oui, la balance c'est la fondation qui est en partie pas chauffée. Là. On vous dit, cette partie-là, là, c'est bâti à peu près comme une de mes grandes que j'ai ici. Des bio en haut, la plage dessus, ben tôt. C'est pas trop pesant, là. C'est celle qui était dans le journal, ça, qu'on avait vu la photo dans le journal. Non, elle est très belle. Ah, OK, OK, je suis, ça va pas trop. Je connais pas tout le programme, c'est pour ça que... Il y en a beaucoup. Si ça coûte pas une fortune, on l'a arrangé, celle-là, puis ça coûte pas une fortune, on l'a arrangé, ça. Mais c'est pour ça, puis alors ça permettrait au moins, c'est avec les fonds qui sont déjà alloués, mais ça permettrait de continuer le reste. Puis là, quand les gens voient qu'il y a quelque chose qui bouge, que les choses avancent, ils peuvent faire quand même le quai qui va en avant, parce que le quai, ça, c'est après la bâtisse principale. Alors, tu sais, il y a quand même beaucoup de travaux qui pourraient être faits. Comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile de faire une levée de fonds puis d'appliquer pour quand il y a... Avez-vous un comité de fait, madame? Absolument. On est incorporé. Est-ce qu'on pourrait un soir faire une rencontre avec le comité pour en faire une discussion puis après ça prendre une décision? Il y aura de la voir si on peut faire une levée de fonds, avoir des volontaires, fait qu'elle continue dans toute cette affaire-là. Là. Avec le comité, tu peux faire une rencontre juste pour ça. Vous invitez dans la gare au Bourget. On ira au centre communautaire de Bourget pour faire la gare. Non. Bon. On va aller à la gare. OK. Tu vas amener des biscuits et du café. Absolument. Mais non, on n'est pas. Si on est pour le recevoir. Monsieur Zan va être là certain, mais. Si on roule pour recevoir, on va vous recevoir à la gare. OK. Pas de problème. Pas au centre communautaire. On arrangera quelque chose pour que vous voyez la gare. Parce qu'il y en a d'entre vous, je sais que vous l'avez vu. Okay. On va faire une rencontre à la gare. Bon, on va y aller comme résident. Comment j'allais dire si on n'a pas le droit? On fera une réunion. C'est peut-être une réunion spéciale à la gare de Bourget. Oui, c'est juste que le lieu, il faut que le lieu soit annoncé. Oui. On tombera pas au travers du plancher, si on a... Non, je veux juste faire sûr. Le plancher était bien assis. Si là, on passe au travers, on ne reviendra pas. On va reposer l'argent. Oui, monsieur Kiyo. Le budget, c'est 50% du OK. Alors, c'est ça qu'on fera. On va organiser quelque chose pour vous laisser savoir. Et puis, quand est-ce qu'on va faire ça? Dans le mois de mars? En avril, Madame Leroux. OK, vous enverrez la date et on va voir si la majorité de l'entreprise est disponible. OK, Julie, c'est toi qui es en charge de faire les dates. Bien les dates? Non, on va travailler avec Mme Leroux, on organisera quoi? Alors, merci beaucoup. Merci Mme Leroux. Donc, il t'aime très bien, oui, t'aimes bien. J'ai besoin de la pierre. Vous un proposeur pour t'aimer. Monsieur Lalonde, secondé Mme Chouagnat. Rapport des comités, règlements municipaux. Il soit résolu que les règlements municipaux sont. Il y en a-tu qui avaient en retiré 12.3. Non, faut dire avant. Excusez. 12.3. Oui, 12.3 retiré. C'est tout. D'accord. Il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés 12.1. 2016-11 pour autoriser la signature d'une entente avec le comité de loisirs de Bourget pour la gestion du centre communautaire de Bourget, 12.2. 2016-18, règlement pour dédier public la rue industrielle.
Et finalement, 12.4-2016-22, règlement pour modifier le règlement 2016-15, étant un règlement relatif aux frais d'eau et d'égout. Merci. 12.3. Je vais 12.3, M. Guillemard. Certainement, M. le maire. On va attendre que notre super logiciel. Ça. Il y a mon papier. Il n'y a même pas de résolution. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux soient adoptés le 12.3, règlement numéro 2016-20, règlement pour autoriser la signature d'une entente avec Local Authority Services pour rejoindre le programme d'approvisionnement d'électricité. Secondaire, M. Zatt, question, commentaire. M. Lalonde. M. le maire, j'ai discuté de ce programme-là avec l'OEB, Ontario Energy Board, lors du Good Road. Je les ai rappelés le 26 février à 3h30. Il me disait que LES Électricité, c'est une compagnie avec profit maintenant depuis 2013, mais j'ai rappelé le LES après ça. LES me disent qu'ils sont plus depuis 2014. Mais je peux vous dire que je viens d'avoir cet après-midi le coût que ça coûterait. Ben, j'ai demandé la question, c'est-tu un contrat de 1,5? Ben, ils disent c'est un contrat de 2 ans. Et puis, le montant de 0,015, c'est 15 centièmes de cent qui est rajouté au coût. Mais je regardais, j'ai été chercher plusieurs factures au département des finances. Et puis avec les chiffres qu'ils viennent de m'envoyer, eux autres même, après les discussions, après-midi, je l'ai eu vers 5 heures. Je l'ai ici, puis je n'ai pas de garde d'imprimer. Ça nous coûterait, comme c'est là, pour 10 000 kWh, ça nous coûterait 113,50 $ de plus avec LES. J'ai tout fait les calculs. Si je prends l'hôtel de ville, celle-là, l'hôtel de ville à Rockland, c'est bien ça ici, ça nous coûterait environ 325 $ de plus pour un mois. Et puis si je prends l'aréna de Clarence, qui est le plus élevé, c'est environ 800 $ de plus pour un mois. Mr. Keogh. Ça, et puis le chiffre qu'ils m'ont donné ici, là, tous autres membres qui l'ont donné, là, LES, pour 10 000 kWh, c'est 1251,75. Ils ont écrit le prix de Hydro, 1138,25, qui est une différence de 113,50 $ de plus avec LES. Ils me l'ont envoyé, j'ai fait sûr que les 10 000 le matin, j'avais demandé qu'ils me l'ont envoyé. And as I suggested to you earlier when we talked about the program, there are no guarantees in the program. There is the program itself, when we look at a three-year history, the program would have provided savings to the city of Terrence Rockland. The program is based on buyers buying electricity on the spot market and basically expertise of these people to do better than what Hydro One does. So, Mr. Lone, I don't have all the details, but it could be that at some point in time, Hydro One's prices would be better than what LAS is able to get. Je mets juste un point, c'est que moi je demanderais de plutôt d'attendre rendu au 6 juin pour le ramener à l'ordre du jour parce qu'il y a un ajustement avec Hydro One le 1er mai. Mais les autres, comme c'est là, c'est Global Adjustment qui est plus haut que tous les autres. Nous autres, on a une place que Global Adjustment, c'est l'aréna de l'autre côté de la rue, qui est à 8.12. Les autres est à 10, un peu plus de 10, je l'ai décrit. 10.68. $10.68/kWh. Puis nous autres, on paye 8 et vient de le dire le montant. Merci, Monsieur le maire. Could you just tell the population the history of LES? And I understand Mr. Lalonde's point, but I think if we look at a broader number of years, the overall, there's ups and downs, but overalls the city would save, according to what you propose, right? So the LES is basically
nonprofit. I'm not aware of the fact that they went profit and are now bought nonprofit. I thought they were always nonprofit, but it was basically an organization that was set up by the Ontario Associated Municipalities of Ontario, AMO, through the direction from the province. They felt that it would be a good mechanism to achieve better electrical prices for municipalities throughout Ontario that are not able to take advantage of some of the bigger users that are able to get better pricing on electricity. So when we approached LAS, we asked them to do an analysis for us of the last three fiscal years. And in each one of those fiscal years, we were able to save about 30,000 to 40,000 per year. At any point in time, and this winter might be a particular winter, because it's been unusual, it hasn't been as cold as, for instance, last year, we could reach a point where, based on their assessments and their buying and when they bought, that there could not be savings. So I'm not disputing what Councillor Lowe is saying, but on average, over time, it will beat Hydro One prices. It has been passed. And how many municipalities in Ontario are the LAS rate? I think you verified the three municipalities. They were all saying that they were all yes. We investigated with three municipalities within Ontario, and they wrote back to us that they are very comfortable and happy with the program. It's and just the savings that they are receiving. Monsieur le maire, je trouve ça regrettable qu'il y ait autant d'énergie qui était dépensée sur le projet de Local Authority Services quand on aurait pu tout simplement travailler à changer nos lumières de rue d'un bout à l'autre de la municipalité. Un projet qui, même s'il nous coûte 800 000 $ il se repaye en dedans de 2 ans et demi à 3 ans, puis la quatrième année, on est regagné. Puis, on essaie d'aller sauver 13 000 $ 12 000 $ c'est une affaire de même. Tabarouette, mettons donc notre vision à long terme, en quelque part, puis aller faire quelque chose qui va nous rapporter à la fin, au lieu d'essayer de se concentrer juste sur sauver un petit 10 000 $ ici. Madame Collier. This is an opportunity we have. If we don't go with LAS, we might not save, right? We will continue paying the same rate. The commitment is only for 2 years, but it's up to council to vote tonight if they want to take the opportunity. I don't want to liken it to a lottery, but if you don't buy a lottery ticket, you're not going to win. So if we don't win the program, we're not going to save. It's not a guarantee. So it's for council to decide now. And we can certainly look at the analysis of the fall. Madam Collier, what you're saying is that, you know, if we don't buy a lottery ticket, we don't win. But we may be winning by not spending that money on lottery tickets, too. Yeah. Okay, and you've got to look at it both ways, not just the one way. I agree. If I remember right, Mr. Keogh, aren't we working on a project of LED lights for a whole? Yes, Mr. Mayor, we are dealing with LAS again because they do provide that type of analysis, and that's going to come to council with a report in the next few weeks. We have the ability to deal directly with LAS because they're associated with AMO and it doesn't contravene our procurement policy. However, we could go out to the market and ask other companies to bid on a LED type. Well, when we went to Good Roads or Ammo last year, I know there was all kinds of companies. I would really like to go see what companies, what deals there is out there, because I know there's deals out there. Let's go public. Yeah. Definitely. I would not want to be going to one company only. I would like to go to open market and let's have a deal. Madam Choyan. Mais un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, on peut faire les deux en même temps. Je pense qu'on peut sécuriser avec. Je pense que c'est quand même assez sécuritaire que 25% des municipalités participent à ce programme-là. Je pense que c'est. Ça fait ses preuves, sinon il n'y en aurait pas autant. Et puis aussi, on devrait définitivement, à l'intérieur du budget, toujours allouer à chaque année un certain montant pour changer les lumières. Puis
c'est rendu qu'on va... c'est qu'il y a des compagnies qui étaient prêtes à nous subventionner, de payer. Payer, eux autres payaient l'avance. Ça se payait, eux autres, avec les économies qu'on faisait. Mm-hmm. C'est le mal, je ne passe pas. Oui. Alors, tout le monde en faveur d'aller RDS. 5. 4. C'est bon, c'est passé. Comme ça, payer pour aller. Règlement de confirmation. Be resolved that Municipal Council of the City of Clarence, Rockland hereby adopts bylaw number 2016-21, being a confirmatory bylaw for the regular meeting of March 7th, 2016.